Reina dans les buts à l'arrière, Venegas, Heredia, Eusebio, Capone, Adelardo, le capitaine Luis, Ioli, doublé et même triplé ce soir afin que le match puisse se disputer dans les meilleures conditions. Ce sont les Écossais du Celtic qui vont jouer à droite en première mi-temps. C'est Bobby Lennox, qui a maintenant plus de 30 ans, qui peut servir McRae, centre. Oula. Heredia, Ramon Heredia, a préféré mettre directement en corner. C'est le deuxième corner de la partie, le premier pour le Celtic. Tiré par l'ailier gauche, Lennox, du pied droit d'ailleurs. Une tête qui passe au-dessus. Arrière droit en position d'ailier. Contrôle la balle. Oui. C'est bien joué. Dagli shoot, tire. Oh là là. Belle occasion. Très belle occasion pour l'avant-centre. Irureta. Beaucoup de balles passent par Irureta. Capone. Capone file. Tire de Capone. Magnifique tir de Capone et bel arrêt. Après 20 minutes de jeu, c'est l'ailier droit Oufart. Environ 17 mètres, 18 mètres des buts de Callaghan. Bon tir, c'était bien joué, la balle n'est pas perdue, reprise au-dessus. Encore Oufart. Contré. Attention, ça va permettre à McLaughlin qui file à toutes jambes d'inquiéter la défense d'Atletico, Johnson. Oui, c'est bien joué, McLaughlin, à la limite près des 16 mètres, centre, juste au-dessus, la balle a été touchée par un défenseur. C'est bien joué tout ça. Ah, joli crochet, une occasion de but, oh mon Dieu. Une faute de Eusebio, qui a fait écran, qui a empêché Route de centrer, de filer sur la gauche, des pieds droits. Une belle tête directement. Voilà la première occasion très nette pour le Celtic. Seuls trois joueurs de la grande époque sont encore là. Ils font ce qu'ils peuvent, c'est-à-dire Lennox, Johnson et le capitaine McNeil. Mais ils ont affaire ce soir à une très bonne défense madrilène. Adelard, le capitaine. Oufart. Oufart. Ouais, une belle remise. Oh, c'est bien joué. Belle occasion. Super plongeon. Magnifique plongeon de Callaghan. Dédico. Garat, véritable slalom de Garat. Oh, c'est bien joué. Que c'est bien joué. Ah, c'est pas possible. Quelle occasion de but. Un slalom impressionnant de Garat qui a remis pour Irureta. Comment les attaquants de Madrid n'ont pas marqué. C'est pas fini encore. Adelardo, cette fois, c'est terminé. Garat, lui qui est à l'origine de cette action brillante. Bonne déviation. Contre favorable. Oufart. Dans les 16 mètres, encore une occasion. Tête. Ah, c'est pas possible. Nouveau corner. Par Hood. Arena, c'est parti. Attention, c'est dangereux. Oui, tire directement sur Arena. Luis. Conserve sur les Becerra. Ouais, cette fois, Becerra est bousculé. Becerra est bousculé. Sa ligne de but. Luis, c'est bien joué, non, juste au-dessus. Le succès ont commis deux erreurs vraiment impardonnables qui auraient pu coûter un but à leur équipe. Involontaire, les deux hommes ont roulé à terre, se sont heurtés volontairement. Le joueur espagnol reste au sol. C'est l'arrière droit, Venegas, qui reste au sol. Pendant ce temps, ses camarades de l'attaque essaient de surprendre Callaghan. Monsieur Schreuer vient calmer les esprits. Corde à coup. Ils vont finir par prendre un but car ça chauffe depuis 20-22 minutes. Encore Luis cette fois. Et cette fois c'est dans le cadre. Et un plongeon superbe de Callaghan. Allez gauche. Adelardo. Venegas. Garat. L'attaquant le plus dangereux. Oufart. Garat. Ouais. Voilà. Enfin un but.
Enfin un but. C'est Garat qui marque. Je ne vais pas dérouler ça. 32e minute. 1 but à 0. But mérité sur l'ensemble de la partie jusqu'à maintenant. Ah, on attendait ce but depuis très longtemps. L'hésitation de la défense. Un joli but. Garat avec une belle combinaison. Iureta. Du pied gauche, malgré McNeil, Cardo, Capone, le capitaine de l'Atlético, tranquillement pour Becerra, Luis, Becerra, Capone, tire et but, un but fantastique, but marqué par le capitaine de l'Atlético, but de Adelardo. But de Adelardo à la 85e minute. Oh, un but superbe. But superbe, les joueurs de l'Atlético n'ont rien pu faire. Superbe dans l'angle gauche des buts, malgré le plomb de Kanaga, n'a rien à faire. Alors, revoir cette action. Regardez bien le numéro 4, le capitaine. Capone derrière lui. Une tête et directement. À 9-10 mètres, juste derrière le point de pénalty. But imparable, il reste 4 minutes de jeu, changement de joueur. Le Garat, auteur du premier but, qui est maintenant leader de toute l'Espagne et qui a amené Barcelone à la première place, c'est terminé. Merci Monsieur Ramon Díez pour ces images. Merci messieurs, 2-0, l'Atlético joue à la finale. C'est un reportage.